pouvez-vous douter de ma sincérité? Peut-être. Écoutez-moi, Lydia, je vous aime, et quand nous serons tous les deux... Vous oubliez une chose, c'est que moi, je ne vous ai pas dit encore que je vous aimais.
Oh!
Thank you.
Je vous rappelle que ce soir, pour nous, c'est réveillon. Et vous savez aussi que chez nous, en Russie, nous avons une coutume. Cette nuit-là, nous faisons un vœu en regardant dans un miroir. Et si ce vœu doit être exaucé, l'objet de nos désirs nous apparaît dans ce miroir. On va en distribuer. Et avec l'aide de votre imagination, vous y trouverez tous et toutes le bonheur que vous souhaitez. En attendant, je vais vous chanter avec Masha, ma charmante épouse, notre vieux souvenir russe, Nichevo. Soyons milliardaires, il se plaît pour votre âme, nous ne pouvons nous soustraire, pour notre destin. Avons sur cette terre, ce qui nous est tracassé, et curieusement, plus que de son père, qui porte ta fille. Nichevo, Nichevo, on est là, il est comme un gars, Nichevo. Chantez pour vous, Balalaïka. La vie est très belle, au son joyeux des Balalaïka. Aussi grisâtre que votre chemin, en brillant tout le Mesdames et messieurs, veuillez bien excuser le comte, mais sa nerf vous est bien compréhensible. Vanity, je ne suis plus bon à rien. Il vaut mieux que je parte. Allons, Pierre, c'est du toi. Venez tous, les amis, que la fête commence. Nous allons pouvoir fêter la nouvelle année russe comme autrefois chez nous, en Russie. Oui. Et moi, je me charge des cocktails. Ce soir, je vais en improviser un nouveau. Et lequel? Le diable rouge. Oh hey, le diable rouge, ça nous reporte de 10 ans en arrière. Ce soir au ballet russe. Magnifique! Qu'est-ce que vous avez dansé? Réflexion. Réflexion? Mon triomphe! Vous vous souvenez, le dernier gala de l'empereur? Réflexion était au programme. Et cette dernière nuit, le bal du prince Karaguine. Et puis ensuite pour nous, la fuite, l'exil. Moi,
Je ne peux me rappeler que les belles sœurs de notre patrie, la vraie patrie. Les premières neiges de novembre, la chanson des paysans, le soir sur la grande plaine. Les uniformes, les fleurs, la musique. Assez ! Vous ne pouvez pas parler d'autre chose, non ! Le passé, toujours le passé ! Et si nous parlions un peu d'avenir, voulez-vous ? Oh, pardon. Je n'aurais pas dû être des vôtres ce soir, je cacherai votre fête. Bonsoir, Karaguine. Vous nous quittez ? Oui, mon colonel. Oh, Karaguine, ce soir, c'est mal. Faut que je m'échappe, mon colonel. Faut que je m'évade de ce climat de tristesse, de regret. Oui, non. Sommes-nous des personnages vivants ? Ou des figures de musée ? Nous avons mieux à faire que de toujours nous souvenir. Vous, peut-être. Mais nous, certainement pas. Oui, pardon, mon colonel. Ne vous excusez pas, Pierre. Vous êtes jeune, ardent. Vous pouvez essayer de comprendre, vous adapter peut-être. Mais nous... Allons, assez parlé. Buvons maintenant. Oui. Du champagne. Aidez-moi à disposer les bougies de la nouvelle année. Portons un toast à la nouvelle année. Allons, Pierre, viens voir avec nous. Non, je vais me changer ce costume, j'ai tout dit. Pauvre Karaguine, c'est l'arrivée de Marakoff à Paris qui le met dans cet état. Savez-vous si Lydia a accompagné son père ? Je ne sais pas. La grande dame de l'ambassade et le danseur du balalaïka. Fable. Ah, oh, mais ne recommençons pas. Je vois à la Russie, à la nouvelle année, à notre santé, à notre bonheur. À notre santé, à notre bonheur. La nuit du réveillon de fin d'année, on voit toujours dans le miroir celui qu'on attend. Non, madame! Non, je vais vous mettre d'accord. C'est moi qui la première procédure le miroir. Dis donc, je crois que tu n'as plus d'amoureux à attendre, il me semble. Et qu'en sais-tu? Quand on a un liquide, ça suffit pour la vie. Toujours modeste. Tu vois quelque chose, ma chat? Eh bien, dis-nous ce que tu vois. Mais par qui a-t-il? Il y a quelqu'un sur l'escalier. Lydia! Mais pourquoi me regardez-vous tous comme cela? Sans parler. Je vous fais peur. Vous n'auriez pas dû venir ici, mademoiselle. Mais c'est Lydia! Notre Lydia! Vous n'avez rien à me dire? Tout n'a-t-il pas été dit par une nuit terrible, il y a quelques années? Oui, certes. Mais les êtres sont toujours les mêmes. Est-ce que les corps sont là, vivants? Les cœurs me meurent! Barbara! Fedora! Vous restez là comme des statues? À votre aise! Pour moi, Lydia, c'est toujours Lydia! Pour moi, Lydia! 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 Descendez tous d'autres! Pierre! 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 Comment, Pierre? Vous partez? Oui, Lydia! Vous avez tous été très bon pour moi, mais je n'en peux plus, je pars. Oh non, non, c'est la nouvelle année, vous n'allez pas encore nous gâcher notre fête. Vous ne partirez pas avant d'avoir regardé dans le miroir. Ah, notre vieille coutume russe, mais il n'y a rien pour moi dedans. Vous n'en savez rien? Non, je vous en prie, laissez-moi partir. Allons, Pierre, regardez dans le miroir. Allez, Pierre, regardez. Oui, 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 oui. Fêtez joyeusement la nouvelle année russe. Nietzschevo! Nietzschevo! Nouvelle chose atypique, il y a de ces deux à surgir. Au moment les plus critiques, tout le monde passe à manger. Et
ces questions qui nous réuniront.